On part en Argentine, si vous le voulez bien, avec Julia. Et une info qui fait pas mal réagir sur la toile, bien sûr. Beaucoup réagir sur la toile et dans la presse, sur Internet. La justice argentine a condamné cette semaine un homme à indemniser son ex-femme en lui versant quand même 8 millions de pesos, donc soit plus de 150 000 euros, pour les tâches ménagères dont elle s'était acquittée pendant 27 ans. De mariage. Cette femme, elle était diplômée en économie, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et à ses tâches ménagères. Alors la décision, autant que la somme, sont historiques. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur Internet. Et évidemment, cette décision, elle est surtout liée au cas et à la situation générale des femmes en Argentine qui sont souvent très dépendantes économiquement et donc ont des problèmes pour quand elles se retrouvent seules. Et c'est un gros problème en Argentine. Donc cette décision, elle est très symbolique. Ouais. Et donc, avec tous les mugs que nous avons, là, voyez ce qui vous attend si vous me demandez de faire la vaisselle. On est d'accord. Bah, vous êtes très chers. Merci à toutes les deux.